si ça c'est pas être motivé quoi. Et voilà. J'aurai le cul bien trempé à la fin de cette vidéo. Pour tout vous dire, je suis vraiment dévoué à ces vidéos. Parce que je suis rentré il n'y a même pas 10 minutes d'Italie. On est parti pour les 60 ans et 62 ans des parents de ma chérie. Du coup, on a fait un petit week-end tranquille là-bas. C'était juste le top. Mais là, je suis rentré. Il pleuvait. Il y a juste maintenant une petite pause. Du coup, je suis venu ici pour qu'on parle ensemble d'argent. Le lien que j'ai avec l'argent. Pourquoi cette thématique? Dans l'ancienne vidéo, je parlais justement à la fin de la vidéo du chiffre d'affaires qu'on a fait. Donc je parlais pas du chiffre qu'on a fait, il n'y a pas de chiffre mentionné, mais je parlais du fait qu'on avait fait un très bon chiffre sur ce premier semestre 2021. Et dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit « On aimerait trop que tu sois plus transparent encore sur les chiffres que vous faites, sur la performance, la croissance. » Et j'ai envie de revenir un petit peu sur ce commentaire pour parler de la vision que j'ai par rapport à l'argent, le rapport que j'ai moi à l'argent, et ce que je vois un peu en termes de suite par rapport à cette série. Alors pour commencer, vous l'avez forcément vu, j'ai appelé cette série Road to Success, le chemin du succès, la route du succès. Pour tout vous dire, j'ai longuement hésité avec ce nom. Pourquoi? J'en ai parlé à des potes, ma chérie, et je leur ai dit mais c'est trop en mode le millionnaire qui veut se blinder, enfin non, le jeune qui veut devenir millionnaire, le mec qui veut se faire un max de pognon. Et le succès, ça a très souvent cette connotation à l'argent, avoir de l'argent. Et du coup, ce nom, ça m'a clairement fait hésiter à me dire mais les gens vont trop penser que c'est la route du succès pour avoir de l'argent. Sauf que pour moi, personnellement, le succès, c'est pas l'argent. C'est clairement, clairement pas ça. Il y a un truc que je reproche maintenant beaucoup aux réseaux, en tout cas ce qu'on voit sur les réseaux, il y a énormément de vidéos qui font de la promotion d'argent facile, de succès facile, et on parle partout, beaucoup, de succès, d'argent, d'e-commerce, de millions par mois. Nombre de fois on voit des vidéos qui mettent comment j'ai réussi à générer 30 millions en seulement 2 semaines en suivant cette formation magique. Et perso, ces vidéos et cette promotion du succès facile, forcément ces personnes font leur marketing pour elles-mêmes, mais moi en tout cas ça va à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de la vision que j'ai, et du coup ça colle vraiment pas dans le contenu que je veux créer sur YouTube. Pour moi, il y a 2 principes qui guident tous mes projets, et vraiment depuis le début je les ai en tête et je me rappelle quasiment tous les jours, parce que forcément des fois je suis un peu tenté de regarder ce qui se passe à gauche ou à droite. Mais le premier concept, il est très simple: tout ce qui a de la valeur prend du temps, beaucoup de temps. Et pour moi, c'est un process que je me mets en tête à me dire ne sois pas trop pressé. Je sais que je suis une personne de nature où je veux tout très vite, donc c'est un peu dans mon ADN si je peux dire, mais je me force vraiment à me dire mec, t'as une vision qui est juste, t'as une grosse vision, tu veux réussir à accomplir de grandes choses, donc donne-toi le temps. Ça va prendre du temps, plus ta vision est grande, plus il faut que tu donnes du temps pour réussir à l'accomplir. Et le deuxième concept, c'est le succès facile n'existe pas. Et si une personne en fait la promotion ou si une personne ose dire que le succès facile, ça existe, la réponse elle est toute simple, c'est que cette personne ne connaît pas encore la vraie valeur du succès. Il faut en chier, on va en baver, il faut bosser dur, il faut garder courage, garder espoir, croire en soi. Bref, il y a plein de paramètres qu'il faut réussir à mettre en place, qu'il faut réussir à avoir pour trouver, on va dire, de la réussite. Maintenant, c'est propre à chacun, c'est clair. Mais le succès, la réussite, arriver à un instant donné à se dire « Waouh, j'ai réussi quelque chose », ça prend du temps, beaucoup d'énergie et c'est vraiment, vraiment pas du tout facile. Tout le contraire. Et parler d'argent sur les réseaux, c'est indirectement créer l'illusion que le succès est facile. Si maintenant je fais une vidéo et je mets on vient de passer le cap des 1,5 million de chiffre d'affaires, bah forcément que les personnes qui verront cette vidéo, elles se verront ici, elles verront 1,5 million ici, elles se diront ah ok, il suffit juste de se lancer pour que ça fonctionne. Et en fait c'est vraiment pas ça, c'est il y a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de paramètres qu'il faut réussir à mettre en place, qu'il faut réussir à avoir pour que ça fonctionne. Et le but de cette série, c'est pas qu'on parle d'argent, c'est pas qu'on parle de cette chose que tout le monde recherche, c'est qu'on parle des outils, du mindset, de l'émotion, de la motivation, de l'inspiration, de tout ce qu'il faut réussir à mettre en place pour kiffer à fond le chemin qui nous permettra, je l'espère, un jour d'accomplir nos ambitions. Et pour tout vous dire, quand j'ai commencé à entreprendre, il y a environ 6-7 ans, je galérais pendant 3 ans, 4 ans, il n'y avait pas un sou qui rentrait, mais je kiffais à fond entreprendre, j'avais plein d'idées, plein de projets, plein d'ambitions. Vraiment, je trouvais ça tellement cool de me découvrir dans ce trajet, d'apprendre à me connaître, de voir un peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, de prendre confiance en moi. Et c'est plein de choses qui maintenant encore me motivent. Et c'est le but de la série, c'est de vous transmettre ces choses-là en espérant d'une manière très modeste vous motiver, vous inspirer à vous aussi mettre en place vos outils et vos paramètres pour accomplir vos ambitions. Et l'argent pour moi, ça n'a jamais été la recherche, ça n'a jamais été le but. Mais j'ai pas envie d'en parler justement sur la série, parce que je sais que si maintenant je pars dans ce côté argent, bah forcément que ça,
se mettre dans cette catégorie de vidéos un petit peu qui vend du rêve par rapport à l'argent. Donc pour l'instant, c'est en tout cas ce que je pense, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je veux plus parler d'émotions, parler de chemin, parler de parcours, plutôt que parler d'argent sur la série Road to Success. Et la seule chose de vrai, la seule putain de chose de vrai, c'est le chemin. C'est kiffer, kiffer, kiffer le chemin. Et je croise trop de personnes qui sont drivées que par l'argent, drivées que par le fait de pouvoir jouer à la personne fortunée, de pouvoir montrer que ça fonctionne. Pour moi, c'est pas ça, entreprendre. C'est vraiment pas ça. Le problème, c'est que ça met une fausse image à l'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre, c'est créer de la valeur, c'est apporter une vision différente, c'est compléter ce qu'on voit aujourd'hui pour contribuer à ce qu'on verra demain. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça vraiment que je vois l'entrepreneuriat. Donc, je fais exprès de ne pas parler d'argent. Ce n'est pas un manque de transparence. Vraiment, je serai le plus transparent possible sur tout ce qui se passe, tout ce que je fais. Mais pour l'instant, je fais exprès de ne pas mettre le paramètre argent parce que je trouve que c'est trop ce qui motive les personnes qui se lancent. Ça brille beaucoup trop vite, ça attire beaucoup trop le regard, ça donne beaucoup trop envie. Et je pense que partir dans cette direction-là, c'est faux. Vraiment, en tout cas, enfin, de nouveau, c'est très personnel, mais en tout cas, pour moi, c'est pas la bonne direction. C'est une direction où il y a forcément plein d'embûches, et il y a forcément un instant où on se dira, putain, ça marche pas assez, c'est pas ce que je pensais, c'est trop dur, trop compliqué, trop ci, trop ça, et du coup, on arrête. Et le but, c'est pas d'arrêter. Le but, c'est de kiffer tout le chemin. C'est de kiffer tout le chemin. Parce que je vous le dis, il y a vraiment, mais vraiment que ça de vrai. Donc comptez sur moi pour un max de transparence dans la suite de la série sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, sur ce que j'apprends, ce que j'ai foiré, ou ce que j'ai planté. Vraiment, je vais être super ouvert avec vous. Je parlerai des fois de finances, mais n'espérez pas voir pour l'instant sur cette chaîne des tableaux qui montrent combien j'ai réussi à gagner en 3 mois, à combien est-ce qu'on est maintenant avec l'agence, combien de millions est-ce qu'on a fait, combien est-ce qu'on signe par client. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Vraiment, pour moi, c'est pas ça qui est important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si la vision que j'ai et si le but que j'ai par rapport à cette série, ça vous parle aussi. De nouveau, je dis pas que ça va être comme ça toute la vie. Pour l'instant, je peux que vous dire la vision que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Et bah, j'avancerai un peu dans cette direction et on verra. Peut-être que dans 5 mois, 6 mois, 2 mois, 1 an, bah, je changerai d'avis et je viendrai avec une vidéo qui parlera un peu des finances, de l'agence, qu'on fait. Mais pour l'instant, maintenant, je suis dans le chemin. Je suis dans le chemin, Et je veux le kiffer, bordel. Je veux le kiffer à fond et vous faire kiffer et vous pousser à kiffer votre chemin. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Il y a beaucoup de mots kiffés. Il y en a un qui a mis une fois dans les commentaires. Est-ce que tu es rémunéré par le nombre de fois où tu dis le mot kiffer? Non, je ne touche pas d'argent à chaque fois que je dis le mot kiff. Si seulement, parce que là... Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, balancez un petit like. C'est tout bête, c'est tout con. Ça ne demande pas grand chose, mais ça me balance un max de force en pleine gueule et ça booste la chaîne à des personnes qui ne la connaissent pas encore. On pourrait passer bientôt le cap des 3000, pourquoi pas. Je vous dis du coup une magnifique soirée, une magnifique après-midi, une magnifique matinée, une magnifique semaine, peu importe comment vous checkerez cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment, vraiment que le début. Et on se retrouve dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous. C'est dans la boîte.